du 14 au 17 août 2014 à Fresco sera placée sous le signe de l'hommage à nos parents disparus de la sous-préfecture de Sao. Ce festival attend la participation de nos frères et sœurs côtiers et amis et connaissants de toute la Côte d'Ivoire. Député de Fresco, représentant le ministre Alain Lomouillon empêché, Monsieur Kone Mamadou, représentant Madame la ministre de la Commission, est une activité importante que la mairie de Fresco soutient. Soutient à bien des égards. Fresco et le peuple gautier ont une histoire commune. Fresco est une commune côtière qui, aujourd'hui, est en pleine expansion. Une commune à visiter, une commune qui présente de nombreuses potentialités. Et nous avons besoin du soutien de tous ses fils et surtout de nos partenaires pour que les projets importants conduits par la mairie se réalisent. Il s'agit aujourd'hui, comme vous l'avez tout à l'heure vu à travers cette capsule, de lutter contre le chômage zéro au niveau du Fresco. Sur cet aspect des choses, le maire, le ministre Alain Lomouillon et son conseil municipal ont lancé un vaste projet d'emploi jeune. Vous avez trois grandes fermes agricoles qui emploient directement plus de 300 jeunes sur Fresco. C'est un projet que nous conduisons en partenariat avec le FNJ, le Fonds National de la Jeunesse. Au plan économique, Fresco est sur l'axe Abidjan-San Pedro. Je veux dire, Fresco est situé entre les deux grands ports. Donc tous les opérateurs économiques qui sont ici dans la salle, Fresco vous offre des opportunités énormes d'investissement. En tant que membre du conseil municipal, nous avons totalement facilité aux investisseurs, je veux dire, leur entrée dans la zone économique de Fresco. C'est le moment de vous encourager à venir investir à Fresco. Il ne faut pas laisser cette possibilité à une seule classe sociale, à une seule catégorie d'investisseurs. Il faut venir à Fresco, multiplier vos chances et vos gains seront assurés. Au niveau de Fresco, nous avons un vaste programme touristique, puisque Fresco vous offre un patrimoine touristique dense et varié. Il est constitué d'un paysage qui est fait de plans d'eau. Il est constitué également d'une faune dans laquelle vous avez d'énormes espèces rares à travers le monde. Fresco, c'est aussi une des rares régions de Côte d'Ivoire où l'on peut encore admirer les lamantins. C'est vrai que les lamantins sont en voie de disparition. Le Fresco aujourd'hui est le seul endroit en Côte d'Ivoire où cette espèce rare est encore conservée. Qui est venu nous soutenir, sachez que le peuple gautier est dissimulé sur plusieurs territoires en Côte d'Ivoire. Vous trouverez des gautiers à Sassandra, à côté de Néo. Vous trouverez des gautiers à Lakota, à côté de Dida. Vous trouverez des gautiers à Divo, à côté de Dida. Vous trouverez également des gautiers à Guéyo, à côté de Bété. C'est un peuple qui s'est retrouvé sur ces différents territoires, mais qui n'est pas forcément, qui n'a pas une culture qui est forcément identique auprès des peuples d'accueil. Il fallait donc, à travers ce festival, donner la chance à ce peuple de s'exprimer culturellement. Et la première édition de ce festival a été un succès grâce à la participation des fils et des filles de tous ces territoires cités. Cette année, 4 ans après, ce festival revient. Pourquoi 4 ans après? Parce que nous avons été endeuillés à l'occasion de la crise post-électorale. Un de nos territoires, notamment
le territoire de Savo a connu une grave crise et nous avons dû suspendre le festival pour panser les plaies, pour pleurer nos morts. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous soyons seulement à la deuxième édition après 4 ans, après 4 ans de naissance. Ce festival nous reprend et c'est l'occasion d'inviter nos parents de Fresco, le peuple Gaudier, de démontrer encore une fois son hospitalité légendaire. Cette hospitalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Riche en lumière et naturellement riche, je veux dire, en culture que vous allez découvrir. Nous sommes là au nom du ministre Alain de Bougnon, au nom du conseil municipal de Fresco, pour offrir tous les gages à chacun de vous, à nos visiteurs, afin que ceux-ci se déplacent effectivement à Fresco du 14 au 17 août. 14 au 17 août, nous accueillerons à ce festival des personnalités du monde de la culture, nous accueillerons à ce festival des personnalités politiques, nous accueillerons à ce festival d'autres peuples de Côte d'Ivoire qui viendront découvrir ce que c'est que le peuple côtier, qui n'est plus à présenter. Il est assisté de notre chef, le chef de Boïko, qui est venu spécialement cet après-midi pour apporter sa bénédiction à ce qui se fera du 14 au